Bienvenue en Lozère, dans le plus beau pays du monde. Et je ne fais que reprendre une affirmation de Jacques Malaterre, réalisateur, et qui a tourné pour partie son film Le plus beau pays du monde dans notre département. Et si votre nouvelle vie était en Lozère, vous y découvrirez des paysages qui sont totalement différents les uns des autres, mais entièrement préservés. Vous pouvez découvrir le Canada en traversant la Margeride, l'Irlande en découvrant l'Aubrac et le Mont Lozère. Vous avez évidemment la vallée du Lot, mais aussi les steppes de Mongolie pour l'Écosse et presque la Corse lorsque vous découvrirez les vallées Cévenoles et nos belles châtaigneries. Nous avons de nombreux classements, inscriptions qui valorisent justement cette qualité environnementale. Nous avons pu obtenir une inscription à l'UNESCO, donc des Causses et des Cévennes, au titre de l'agropastoralisme méditerranéen. Nous avons aussi le parc national des Cévennes et puis cette labellisation du ciel étoilé. Tout au long de l'année, vous découvrirez en Lozère un territoire vivant et animé avec de très nombreuses manifestations culturelles, patrimoniales, sportives. C'est un territoire où il fait bon vivre et sur lequel en fait on ne demande qu'accueillir de nouveaux habitants. C'est comme si on était en ville parce qu'on a la fibre, on a toutes les infrastructures, mais par contre on est dans un cadre de vie qui est idéal, où il fait beau, il y a du soleil, il fait bon vivre, on a un terrain de jeu pour pouvoir sortir, pour pouvoir faire du sport, pour la culture, etc. Donc on est sur un territoire où on est heureux de vivre, mais sur lequel en fait il y a tout après pour pouvoir travailler. L'atout principal, en tout cas pour un porteur de projet, c'est qu'il va pouvoir être bien accompagné, parce que comme on n'est pas un département qui est extrêmement dense, bah on va faire de l'accompagnement sur mesure pour chaque projet qui vont s'installer. On va quelque part prendre la main du porteur de projet et on va l'aider à aller jusqu'à l'aboutissement de son idée. Nous, on a tous les acteurs qui sont organisés dans un réseau qui s'appelle le réseau Lozère Nouvelle Vie. Et du coup, quand le porteur de projet il arrive, en fait, tous les acteurs travaillent en réseau et on va faire une proposition d'installation et on va accompagner. Donc ça, c'est la proximité et c'est le rapport direct en fait avec toutes les institutions. Ça va des chambres consulaires en passant par Lozère Développement, le département, la mairie de la commune en question, etc. Il y a plein de secteurs encore à travailler, donc on va être sur des niches et à chaque fois ça va être des entreprises qui sont à la pointe de leur secteur d'activité, des entreprises qui sont extrêmement performantes et qui sont audacieuses, ouais, qui ont des idées superbes, donc ça va de la découpe jet d'eau, mais ça peut être sur les jeans, ça peut être sur le chocolat, ça peut être sur plein de choses, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est les meilleures entreprises qui viennent en Lozère et qui vont profiter du cadre pour performer. On est sûr que si vous venez quelques jours découvrir le territoire, vous allez tomber amoureux. Ça nous fait extrêmement plaisir d'accueillir tous les porteurs de projets pour les aider à concrétiser des rêves de nouvelle vie, des rêves d'une vie plus agréable, plus naturelle et en même temps aussi ambitieuse. Bienvenue en Lozère, n'hésitez pas à venir découvrir notre territoire, que ce soit d'abord pour des vacances et peut-être pour vous y installer et trouver une nouvelle vie.